citation de David Gross, lauréat du prix Nobel. Nous n'avons pas de conflit ou de problème, c'est une crise. Depuis l'été 2022, la science n'a plus affaire à aucune nouvelle découverte ou galaxie. Les chercheurs du monde entier vivent une crise comme jamais auparavant. La dernière découverte de James Webb pourrait littéralement changer toute la cosmologie. Le physicien, théoricien et lauréat du prix Nobel David Gross résume la situation en quelques mots. La science ne connaît pas ici un problème scientifique, mais une crise tangible qui va tout bouleverser. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos scientifiques ? Depuis que James Webb a présenté les premières images du jeune univers, le chaos règne. Les scientifiques sont désespérés parce qu'ils ont peut-être vendu des demi-vérités comme des faits incontestables. Des dizaines de théories sont maintenant mises à l'épreuve. Devons-nous maintenant affronter la désagréable vérité d'avoir cru à une fausse doctrine pendant près de 100 ans ? L'univers n'a-t-il pas commencé ? Si le Big Bang s'avère faux, des milliards de manuels scolaires à travers le monde devront bientôt être réécrits. Les conséquences ne concerneront pas seulement le Big Bang lui-même, mais d'autres concepts physiques pourraient soudainement devenir obsolètes en lien avec cette doctrine élémentaire. Nous serions alors au début d'une toute nouvelle physique. Le début de la crise. Regardons à nouveau ce qui s'est passé depuis l'été 2022. James Webb, le nouveau télescope spatial révolutionnaire, a livré la première image profonde de l'univers en juillet 2022. Tu peux voir ici les galaxies les plus anciennes dont Webb peut capter la lumière. Les taches lumineuses orange et les rougeâtres sont les signaux lumineux les plus anciens. Quelques jours après la publication de l'image, un chercheur de Harvard nommé Rohan Naidu a annoncé une incroyable découverte. Une galaxie avec un décalage vers le rouge de 13 Z, ce qui signifie ni plus ni moins que cette galaxie existait déjà 200 millions d'années après le Big Bang. Depuis que nous savons qu'il faut des milliards d'années pour que des galaxies se forment, l'ancien calcul ne fonctionne plus. Le deuxième mystère est que ces galaxies n'étaient pas seulement exceptionnellement avancées, mais qu'elles brillaient déjà à une époque que les scientifiques ont appelée l'âge des ténèbres, où il y avait tout au plus quelques premières étoiles. Près de 20 de ces très vieilles galaxies ont maintenant été confirmées, et des dizaines d'autres pourraient l'être. Les chercheurs ont également trouvé des preuves de l'existence d'au moins 7 trous noirs qui ont également existé trop tôt après le Big Bang et qui sont beaucoup trop grands pour être de jeunes trous noirs. Cela a déclenché la plus grande crise de la cosmologie moderne et il n'y a actuellement aucune réponse. En plus des doutes sur le Big Bang lui-même, l'idée de l'expansion de l'univers, toutes les théories sur la formation de la première matière dans l'espace, les observations du décalage vers le rouge et des dizaines d'autres sont mises à l'épreuve. La constante de Hubble est-elle fausse ? Savais-tu que presque toutes les théories sur le Big Bang sont basées sur une seule observation qui pourrait maintenant s'avérer erronée ? Edwin Hubble a découvert dans les années 1920 que les galaxies s'éloignent de nous à une vitesse proportionnelle à leur distance. Sa formule, V égale H0 fois dV égale H0 fois D, décrit également cet effet et c'est ainsi que sont nées la constante de Hubble et par la suite l'idée d'un univers en expansion. Le physicien belge Georges Lemaître a ensuite émis l'idée que l'univers était parti d'un seul point et la théorie du Big Bang n'était plus qu'à quelques pas. Le taux d'expansion de l'univers montre donc à quelle vitesse les galaxies s'éloignent les unes des autres. Les résultats de Hubble ont par la suite été vérifiés à plusieurs reprises et se sont avérés corrects. De nouvelles preuves sont apparues avec la découverte du rayonnement cosmique de fond qui montre également des modèles clairs d'expansion. Des méthodes modernes, telles que l'oscillation acoustique baryonique, ont offert des possibilités de plus en plus intéressantes pour étudier la structure à grande échelle de l'univers. Et c'est là que les premiers problèmes sont apparus. Des mesures plus récentes ont montré des différences petites mais significatives dans la constante de Hubble calculée. Selon la méthode ou l'objet utilisé pour la mesure, d'autres écarts sont apparus, connus sous le nom de tension de Hubble. Les tentatives de résolution de la tension de Hubble ont jusqu'à présent échoué, mais les dernières découvertes de James Webb pourraient fournir des indices importants. Si nos anciennes théories ne sont pas correctes à la base, il n'est pas étonnant que les mesures des plus grandes structures de l'univers montrent des incohérences évidentes. La matière noire n'existe-t-elle pas ? C'est fascinant, car les problèmes au sein du modèle cosmologique standard sont apparus assez tôt. Lorsque l'astronome suisse Fritz Wicki a observé les mouvements étranges au sein des galaxies, il a remarqué que le mouvement des étoiles dans les régions extérieures ne correspondait pas à la dynamique physique connue à l'intérieur. Quelque chose devait être à l'œuvre ici, qui n'était pas encore connu. C'est ainsi qu'est née l'idée de la matière noire. Depuis, les cosmologistes et les astronomes construisent l'image du début, du développement et du fonctionnement de l'univers
avec une inconnue sombre. La matière noire s'intégrait dans ce tableau, mais elle restait une construction non prouvée. À ce jour, il n'existe aucune preuve de son existence. La matière noire aurait été essentielle à la formation des premières galaxies, car elle aurait agi comme une sorte de colle qui aurait attiré la matière normale et l'aurait maintenue ensemble. L'idée envisageait les premiers amas de poussière et de gaz qui s'aggloméraient sous forme de halos de matière noire. L'effet gravitationnel de ces halos a rassemblé de plus en plus de matière normale dans leur sphère d'influence. À l'intérieur de ces halos de matière noire, la matière normale s'est condensée davantage, s'est effondrée sous l'effet de sa propre gravité et a commencé à former des étoiles puis des galaxies. Sans l'adhérence gravitationnelle de la matière noire, la matière normale n'aurait pas pu s'accumuler à des densités suffisamment élevées pour former des étoiles et des galaxies. À plus grande échelle, on pense que la distribution de la matière noire forme une étoile cosmique au sein de laquelle les halos de matière noire sont des nœuds importants. Cela explique les collections massives de galaxies telles que les amas et les superamas. Ce réseau détermine également la structure à grande échelle de l'univers. Cependant, les observations des structures à grande échelle de l'univers font apparaître de plus en plus de divergences. Quelque chose ne va pas avec les anciens calculs et théories, et il semble que l'univers essaie de nous le faire remarquer à chaque instant. Adieu aussi à l'énergie noire ? Et si l'énergie noire était elle aussi une idée fausse ? Elle a été discutée comme étant la force motrice de l'expansion accélérée de l'univers. Des mesures ont montré que l'univers se dilate plus rapidement depuis 5 milliards d'années, ce qui n'avait initialement aucun sens si l'on se réfère au principe du Big Bang. Outre l'accélération de l'expansion de l'univers, des preuves de l'existence de l'énergie noire ont été trouvées dans les observations de supernovae et dans le rayonnement de fonds cosmologiques. En résumé, on pourrait dire que la matière noire lie les galaxies entre elles grâce à la gravité, tandis que l'énergie noire accélère l'univers et l'éloigne par son effet répulsif. Mais l'existence de l'énergie noire n'a pas non plus été prouvée. Il existe même des concepts cosmologiques qui peuvent décrire le cosmos de manière tout aussi large, et se passer complètement de matière noire et d'énergie noire. On y parvient par exemple en modifiant certaines constantes cosmiques, comme le prévoit le concept Mond. Bien que Mond ne puisse pas décrire l'ensemble du cosmos, il peut décrire tellement de sections que les explications alternatives doivent être prises au sérieux. Depuis que James Webb a montré que les anciennes idées sont erronées, une nouvelle attention est accordée à des théories qui avaient auparavant reçu moins d'attention. Imagine que la matière noire et l'énergie noire disparaissent soudainement de la physique, tout comme le Big Bang. Mais que se passera-t-il ensuite ? Nous ne le savons pas encore. La question de savoir quelles anciennes théories deviendront d'actualité et quelles nouvelles théories nous aurons dans quelques mois est pour l'instant totalement ouverte. Découverte d'une structure à grande échelle derrière l'amas de galaxies Pandora. James Webb a récidivé. Au printemps 2023, Webb a pris une nouvelle image en profondeur. Cette fois-ci, l'image montre l'amas de galaxies Pandora. Derrière l'amas de galaxies, d'anciennes galaxies et étoiles reviennent sur le devant de la scène grâce à l'effet de l'antigravitationnel. Les scientifiques se sont déjà habitués à voir des galaxies très anciennes et en fait impossibles, mais cette image a montré quelque chose d'autre. Une structure gigantesque semble se trouver derrière l'amas. Si les premières mesures sont correctes, cette structure est si énorme qu'elle pourrait indiquer un amas de galaxies. Le seul problème est que la structure est trop ancienne et trop grande pour avoir existé dans un univers jeune. C'est la prochaine preuve que l'univers, il y a 13 ou 13,5 milliards d'années, avait un aspect très différent de ce que les scientifiques avaient prédit auparavant avec leurs modèles et leurs théories. Au lieu de nouvelles explications, les chercheurs ont eu encore plus de tâches à résoudre. Il se peut que nous apprenions bientôt d'autres découvertes étranges et nous devons espérer que de plus en plus de pièces de puzzle se révèlent peu à peu. Ce n'est que lorsque nous disposerons d'un maximum de données que les scientifiques pourront même oser avancer de nouvelles hypothèses. Pour l'instant, la mission Webb est encore trop jeune pour tirer de nouvelles conclusions. Rajendra Gupta, d'Ottawa au Canada, est l'une des exceptions absolues à cette règle. Il a présenté sa théorie du cycle cosmique étendu en 2023 et a reçu une grande reconnaissance de la part de ses collègues scientifiques. Gupta a montré qu'une combinaison de l'énergie noire, de la théorie gravitationnelle modifiée et des concepts d'univers cyclique rend possible un âge complètement nouveau de l'univers. Le chiffre de 26,8 milliards d'années laisserait plus de place au développement des galaxies et des étoiles et pourrait expliquer pourquoi l'univers était déjà mature et très développé il y a 13,5 milliards d'années. James Webb reçoit des renforts. Nous avons besoin de plus de preuves pour résoudre cette crise. La mission de James Webb prendra encore de nombreuses années,
mais Webb à lui seul ne pourra probablement pas résoudre la crise cosmologique. L'ESA a mis en orbite le télescope spatial Euclide en 2023. Euclide a pour mission de créer la carte la plus parfaite de l'univers jamais réalisée. Les scientifiques espèrent qu'il fournira des indices supplémentaires sur le fonctionnement et l'existence de la matière noire. Pour des raisons actuelles, Euclide peut également être utilisé pour tester des théories alternatives. À partir de 2026, le télescope spatial Nancy Grace Roman observera les phénomènes cosmiques tels que les supernovae et mesurera précisément l'expansion cosmique. Avec l'observatoire Vera C. Rubin, c'est un autre as technologique qui entre en lice. Le télescope terrestre éclairera avec précision la structure à grande échelle de l'univers. Les chercheurs espèrent mieux comprendre la formation des amas, des supernovas et le rôle des filaments cosmiques. L'observatoire Vera C. Rubin recherchera spécifiquement les lentilles gravitationnelles. Il s'agit essentiellement de tous les objets extrêmement grands de l'univers qui agissent comme des loupes en raison de leur gravité. Le télescope sera situé sur le pic El Peñón, haut de 2682 mètres dans le nord du Chili. En 2024, la mission Sphere X de la NASA cartographiera l'ensemble du ciel dans un large spectre de couleurs, explorant une fois de plus l'histoire de l'univers. En recueillant des données sur les fonds cosmiques, Sphere X pourra contribuer de manière importante à résoudre la crise actuelle en cosmologie. T'es-tu déjà demandé quel est le plus grand mystère de l'univers ? L'astrophysicien britannique et star de la télévision Brian Cox connaît la réponse à cette question et elle va te surprendre. Brian Cox ne parle pas de la grande question du créateur, de la plus petite particule ou de l'infinité de l'univers, mais de quelque chose de complètement différent. L'asymétrie matière-antimatière est actuellement le plus grand mystère non résolu de la cosmologie. Citation de Brian Cox. L'univers est un endroit magnifique, élégant et pourtant étrangement mystérieux qui a fasciné l'humanité depuis le premier aperçu du ciel nocturne. L'univers est vaste et magnifique. Bien que Brian Cox soit l'un des meilleurs astrophysiciens au monde, il ne cesse de s'étonner des dimensions de l'univers et des nombreux secrets qu'il recèle encore. Comme ses collègues américains Michio Kaku et Neil deGrasse Tyson, Brian Cox s'est donné pour mission d'expliquer simplement aux gens ordinaires les choses fantastiques et les mystères scientifiques. Pour comprendre le puzzle complexe de l'asymétrie matière-antimatière, nous avons d'abord besoin d'une explication simple de ce que sont la matière et l'antimatière. La matière est le fondement de notre monde physique et se compose de particules élémentaires telles que les électrons, les protons et les neutrons. Tout ce que nous pouvons voir et toucher, des étoiles dans le ciel au sol sous nos pieds, est constitué de matière. En revanche, l'antimatière est également constituée de particules. Pour chaque particule de matière, il existe une antiparticule dont la masse est identique, mais dont certaines propriétés, comme la charge électrique, sont opposées. Lorsque la matière et l'antimatière entrent en collision, elles se neutralisent mutuellement dans un éclair d'énergie. Selon la théorie du Big Bang, la matière et l'antimatière auraient dû être créées en quantité exactement égale. Les chercheurs ont trouvé cet équilibre parce que l'univers était supposé être dans un état d'énergie complètement équilibré, sans existence matérielle, avant le Big Bang. Et serait resté dans cet état si quelque chose n'avait pas déclenché le Big Bang. Jusqu'à présent, la théorie était cohérente, mais l'observation de l'univers montre une image différente. Notre univers se compose principalement de matière et beaucoup moins d'antimatière. Mais où est passée l'antimatière si elle était présente en même quantité que la matière avant le Big Bang ? Ce déséquilibre entre la matière et l'antimatière est l'un des plus grands mystères non résolus de la physique et la question a donné lieu à de nombreuses autres théories et expériences. Le fonctionnement d'une force mystérieuse. Qu'est-ce qui pourrait donc être à l'origine de ce déséquilibre ? Les chercheurs ont émis l'hypothèse que dans les premiers instants qui ont suivi le Big Bang, des processus ont pu avoir lieu qui ont conduit à un léger excès de matière par rapport à l'antimatière. Ce qui n'était qu'un excès minime au début pourrait maintenant être un rapport quantitatif complètement différent à une échelle beaucoup plus grande dans l'univers qui a grandi et mûri. Il existe peut-être des lois physiques inconnues jusqu'à présent qui entraînent une légère préférence pour la matière et qui étaient à l'œuvre dans les moments décisifs qui ont suivi le Big Bang. Jusqu'à présent, nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé autour du Big Bang et le Big Bang lui-même n'est qu'une théorie. Le mystère du déséquilibre matière-antimatière dans notre univers matériel est exploré par d'autres moyens. Des expériences à haute énergie menées dans des accélérateurs de particules, tels que le Grand Collisionneur de Hadron à Genève, sont sur la piste du secret. Au LHC, qui est situé dans les profondeurs du sous-sol, les scientifiques veulent simuler les conditions qui prévalaient quelques fractions de secondes après le Big Bang. Chaque petit indice
peut être une pièce importante du puzzle dans la recherche de réponse à l'asymétrie matière-antimatière. Peut-être que la recherche de réponse à l'énigme de la physique nous conduira également à d'autres questions. Pourquoi l'univers existe-t-il sous la forme que nous lui connaissons ? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien ? À l'heure actuelle, la théorie du Big Bang est mise à l'épreuve. Les dernières observations du télescope spatial James Webb ont montré des choses qui ne correspondent pas à la théorie du Big Bang et des événements présumés qui ont suivi. Ici aussi, les scientifiques travaillent actuellement d'arrache-pied pour réconcilier les explications étranges avec les quantités connues de la physique et les théories généralement reconnues et prouvées telles que les équations de la relativité d'Albert Einstein. S'il s'avère qu'il n'y a pas eu de Big Bang du tout, l'asymétrie matière-antimatière serait éclairée d'un jour complètement différent. L'hypothèse d'une asymétrie entre la matière et l'antimatière a des conséquences considérables sur l'ensemble de notre modèle cosmologique et sur notre compréhension des lois de la nature. Ce déséquilibre est la pierre angulaire sur laquelle nous avons pratiquement construit le modèle de tout l'univers visible. Sans ce léger excès de matière par rapport à l'antimatière, la matière ne se serait jamais formée selon les anciennes théories. Et s'il n'y avait pas eu de Big Bang et que notre matière avait une toute autre origine ? Dans ce cas, la théorie matière-antimatière pourrait être dépassée. Mais la question resterait de savoir d'où vient la matière, comment elle s'est formée et s'il y a eu un commencement. Existe-t-il des preuves de l'existence de l'antimatière ? Nous commettons peut-être là aussi une erreur. Jusqu'à présent, les chercheurs sont partis du principe que notre univers était régi par des symétries. Seule la symétrie matière-antimatière a jusqu'à présent rompu cet ordre. Lors des expériences, la plupart des lois physiques se sont révélées neutres vis-à-vis de la matière et de l'antimatière. Elles ne favorisent ni l'une ni l'autre forme. Cependant, le fait que l'univers montre une préférence en ayant beaucoup de matière indique une lacune dans notre compréhension des principes fondamentaux de la physique. La recherche d'une explication à ce phénomène s'étend au-delà des limites connues de la physique à ce jour, et nous pourrions découvrir de nouvelles lois de la nature jusqu'alors inconnues. La prédominance de la matière dans l'univers doit avoir des conséquences directes sur sa structure. Supposons qu'il y ait eu un Big Bang. Au cours des premières secondes de l'univers, l'excès de matière a fait que toute la matière n'a pas été détruite par l'antimatière. Sinon, l'univers naissant se serait immédiatement éteint. La matière restante a pu se condenser sous l'influence de la gravité et former les premiers protons et neutrons. Les premiers atomes, les étoiles et finalement les galaxies ont été formés à partir de ces éléments constitutifs. La répartition de la matière dans l'univers primitif a jeté les bases de la structure à grande échelle du cosmos que nous pouvons encore observer aujourd'hui. Ces structures ont également été le berceau des étoiles et des planètes sur lesquelles la vie pourrait éventuellement se développer. Sans ce petit excès initial de matière, l'univers serait un endroit froid et sombre, sans étoiles, sans planètes et sans vie. Gardons à l'esprit que l'on doute actuellement que ce début ait jamais existé. Qu'adviendrait-il de l'antimatière si l'univers était infini dans le temps ? Cela signifierait-il que l'antimatière n'était qu'un concept ? Non, il existe des preuves de l'existence de l'antimatière. Des observations expérimentales et des applications pratiques ont démontré l'existence de l'antimatière. Cette découverte révolutionnaire compte même parmi les plus grands succès de la physique moderne des particules. La première antiparticule à avoir été découverte est le positron, qui agit comme l'antiparticule de l'électron. Il a été découvert en 1932 par le scientifique Carl D. Anderson alors qu'il étudiait les rayons cosmiques. Les positrons sont produits naturellement lors de certains types de désintégration radioactive ou par l'interaction de rayons cosmiques de haute énergie. Les antiprotons ont été produits et détectés pour la première fois en 1955 à l'accélérateur Bevatron de Lawrence Berkeley National Laboratory. Les antineutrons ont été découverts peu de temps après. Ces deux découvertes ont confirmé que chaque particule a une antiparticule correspondante. Les scientifiques de l'Institut CERN en Suisse et d'autres centres de recherche dans le monde ont même réussi à produire des antiatomes tels que l'antihydrogène. Un exemple pratique de l'utilisation de l'antimatière est la tomographie par émission de positrons, une technique d'imagerie utilisée en médecine. La tomographie par émission de positrons utilise des substances qui émettent des positrons. Lorsque ces positrons rencontrent des électrons, ils se neutralisent et produisent des photons, dont la détection permet d'obtenir des images détaillées de l'intérieur du corps. L'antimatière est donc aujourd'hui considérée comme clairement prouvée et très bien étudiée. Les antiparticules jouent un rôle majeur dans l'activité des particules et font partie intégrante du jeu des forces cosmiques. Cependant, nous ne savons pas avec certitude quel rôle elles ont joué dans la création de l'univers. Quel est le rôle de la matière noire et de l'énergie noire ?
Nous pourrons peut-être encore mieux percer les secrets de l'antimatière lorsque nous aurons résolu le mystère de la matière noire et de l'énergie noire. Toutes deux sont considérées comme des éléments fondamentaux de l'univers, mais contrairement à l'antimatière, leur existence n'a pas encore été prouvée. La matière noire diffère de l'antimatière en ce qu'elle est elle-même une matière avec un poids. Un poids très lourd, si elle existe réellement. La matière noire est considérée comme responsable de nombreux effets gravitationnels pour lesquels il n'y a pas d'autre explication. Elle est donc probablement présente, à une masse et à un poids, mais nous ne pouvons ni la voir ni la mesurer. Bien sûr, les scientifiques de l'accélérateur de particules de Genève tentent également de découvrir la matière noire, mais sans succès jusqu'à présent. La matière noire n'interagit pas, ou très faiblement, avec le rayonnement électromagnétique, ce qui la rend invisible et extrêmement difficile à détecter. L'énergie noire est encore plus mystérieuse que la matière noire. Cette force mystérieuse serait responsable de l'expansion accélérée de l'univers. En raison de ses propriétés répulsives, elle va à l'encontre de l'attraction gravitationnelle et éloigne ainsi les galaxies les unes des autres. Cependant, jusqu'à présent, il s'agit également d'une pure hypothèse. La recherche sur l'énergie noire consiste à observer l'histoire de l'expansion de l'univers et à étudier la structure à grande échelle du cosmos. Les concepts d'énergie et de matière noire sont également mis à l'épreuve par les dernières observations du télescope spatial James Webb. Euclide fournira-t-il la preuve ? Il devrait fournir la preuve. Le Dark Energy Survey est un projet collaboratif international lancé en 2013 pour enfin prouver l'existence de l'énergie noire. La deuxième mission, visant à mettre fin au débat sur la matière noire et l'énergie sombre, est Euclide de la NASA. Le DES a mené des observations actives avec une caméra spécialement conçue de 570 mégapixels jusqu'en 2019. Monté sur le télescope Blanco de 4 mètres au Chili, le programme a cartographié environ un huitième du ciel. En étudiant les amas de galaxies, les supernovae et les schémas de la structure à grande échelle de l'univers, DES a recueilli des données qui ont permis de mieux comprendre la dynamique de l'énergie noire, mais pas de prouver son existence réelle. Aujourd'hui, tous les espoirs reposent sur Euclide. Le tout nouveau télescope spatial de l'ESA permettra d'obtenir des images d'une plus grande partie de l'univers connue à la fois que n'importe quel autre télescope auparavant. En observant des structures encore plus grandes dans l'univers et la distribution exacte des galaxies, d'autres détails sur la matière noire et l'énergie noire devraient devenir visibles. Reste à savoir si Euclide permettra de faire cette percée. La mission a débuté à l'été 2023 et durera plusieurs années. Euclide nous impressionne déjà avec des images comme nous n'en avons encore jamais vu. La densité des étoiles et la brillance des images sont à couper le souffle. Nous ne pouvons qu'espérer que cette mission apportera enfin plus de réponses ainsi que des images fantastiques. Tu veux voir d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci ? Clique sur le bouton s'abonner et y participe à l'événement.